Salut tout le monde, c'est Zidane, bienvenue pour une nouvelle vidéo à la commanderie sur Ratchet & Clank in Time, jeu créé par Ubisoft en 2010, enfin je crois que c'est Ubisoft, et c'est un jeu merveilleux que j'avais fait déjà, j'avais déjà fait deux épisodes dessus, sur mon Walshou, et on se retrouve sur le troisième épisode. J'espère que vous allez bien, moi je pète la forme. GTA 5 va sortir dans 8 jours, pour mon cas en ce moment quand je suis en train de faire le jeu, 8 jours et 10 heures, non 9 heures, 58 minutes et 37 secondes, ce qui veut dire dans peu de temps, parce que il y a longtemps c'était dans Quantos, bon, il y a longtemps, je sais pas si vous vous rappelez les gros geeks comme moi de GTA 5, enfin pas des gros geeks mais les gros passionnés du jeu GTA 5, les gros patients comme moi, tu vois, impatients plutôt de GTA 5, le jour où il y a eu le premier trailer, je sais pas comment on dit, sur GTA 5, vous êtes dit le deuxième devrait arriver dans peu de temps. Il est arrivé un an plus tard. Ils savent faire attendre, Rockstar, ils savent faire attendre, c'est un truc de dingue. Et je vois pas pourquoi je suis revenu sur cette planète alors que je n'y en avais pas l'intérêt. Point d'interrogation. J'espère que ma nouvelle intro qui normalement est mise sur cette vidéo, à part si j'ai eu un gros problème, vous plaît, vu que ça sera l'intro pour GTA 5, même si je la mets sur Ratchet, c'est parce que je ne vais la mettre sur Ratchet parce que voilà. Et je vais bientôt commencer le let's play. Je ferai pas de let's play sur Ratchet, sur GTA 5, je ferai que des vidéos de délire, soit seul ou soit avec des potes. Avec des potes, s'il va avoir, ça va être dur pour que je fasse avec des potes, mais je vais essayer. Mais bon, donc. Voilà, nouveau secteur débloqué. Secteur de Bella. On va finir le secteur dans cette. Je m'étais pas promis de faire le jeu en entier, mais. Oh si, je me suis promis de finir le. Okay, comment on fait? Oula. Ok. Comment on fait pour aller plus vite? Ok, bon, toi ta gueule. Non, mais j'ai pas envie de te tuer. Spécialement. Ok, je me casse. Ce que je sais, c'est que terminal. Voilà, ce qui est marrant dans Ratchet & Clank Time, c'est que tu as. Je suis pas là. C'est qu'il y a énormément de planètes à visiter. Et ça, le jour où le jeu est sorti, c'était mais quelque chose d'incroyable. Je pouvais pas comprendre. Regardez, par exemple, là, on va chercher un Zonic. Ce qui est très intéressant dans le jeu, c'est qu'on cherche toujours des Zonic. Oh, oh le vol. C'est trop épique ce jeu. Ah, ça restera quand même un des jeux que j'ai le plus aimé. Pour tous ceux qui sont rentrés de vacances, qui maintenant. J'ai pas des hoverboards là pour aller plus vite, non? Que dalle. Cool. Ça n'en est pas. Super, j'en ai pas l'intérêt. Bon, ok, j'y vais en marchant. C'est 10 fois mieux d'y aller en marchant. Il est où le truc, je sais pas quoi là? J'entends Zony. Ah, il y a une porte, mais on ne peut pas rentrer. Je vais faire le contour. Ratchet. Non, pas Ratchet. Oh putain, j'ai plus de mine. Petite bombe atomique. J'espère que pour tous ceux qui ont. J'arrive plus à parler vu que je suis surcontent que j'étais à. Il va sortir le 17 et que je peux pas vous assurer que je vais en faire des vidéos sur ce jeu. Oh oui, je vais en faire quelques-unes quand même. Voilà, c'est ça, c'est le jeu, c'est le truc là, c'est le Zony. Et ce truc là est hyper important dans le jeu. Je crois qu'il y en a 40. Ah oui, ça donne plein de points. Enfin, je crois, je sais plus. Bon, on voit quand même le jeu est magnifique. Hein. Certes, le jeu il est sorti il y a 3 ans. Mais il est magnifique. Pour tous ceux qui disent que ce jeu est moche, je vais aller frapper, moi je vous dis. Non, je déconne. Mais voilà, je parlais de GTA 5. Pour la rentrée, bah, ça j'en avais déjà parlé. Donc, moi je viens de passer, je passe à la grande école, le lycée. Seconde, normalement je suis en première, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave que je passe. C'est où le.
Ah ok, c'est là. Parce que je voulais prendre mon véhicule là. Et mon véhicule étant un vaisseau spatial combinant des attaques. Bon allez, s'il te plaît. Bon, quel intérêt de faire ça? Il y avait rien, sérieusement. Il y avait 15 ONI. Ok, je me casse d'ici. Bon, on va pas s'attarder, je pense, à faire les trucs là, les petites missions. Je crois qu'on va aller tout de suite. Oui. Au secteur de Vela. Si j'ai bien compris, c'est le secteur de Vela. Donc, normalement, prochaine vidéo, c'est soit une. J'avais dit, hein. Normalement, prochaine vidéo. C'est. Ah, vidéo. Je voulais seulement aider. Recule! Ne m'oblige pas à utiliser la force. C'est bien toi le robot qui m'a aidé à échapper à Nefarious. Quel est ton nom? Mon nom? Oui, bien sûr. Sigma 04261. Mais tu peux m'appeler Sigmund. Je suis gardien ici, dans la Grande Horloge. Excuse-moi, mais c'est quoi la Grande Horloge? Ok, donc c'est fini, je pense. Je voulais dire pour Battlefield 3, là, la vidéo qui m'a rapporté plein de vues aussi, c'est cool, ça fait plaisir, hein, je vous remercie toujours. J'essaierai, même si un jour, je suis en train d'y penser, si un jour je deviens assez connu, genre pour moi connu, c'est 10 000 abonnés. C'est-à-dire, c'est pas beaucoup 10 000 abonnés, mais vous imaginez 10 000 personnes qui sont abonnées à vous, à votre chaîne, ça fait sur plaisir. 10 000 personnes, c'est. Tacas, c'est énorme. Bon, certes, Monsieur le V12 ou les gens comme lui ont des millions d'abonnés, bon, certes, à côté de 10 000 abonnés, c'est pas grand-chose. Hein. Parce que 10 000 abonnés, ils le font en quelques heures. Hein, bah, un des plus connus est PewDiePie. Et quand je vais sur sa chaîne et que je vois le nombre d'abonnés qu'il gagne par seconde, je pète un plomb. Oh, attends, merde. Je l'avais vu. Ça rapporte ta case de points, si vous voulez savoir. Je crois qu'il y a un multijoueur sur ce jeu. Enfin, je sais pas du tout. Il y a un multijoueur ou pas? Bon, il y en a pas. Pour ce qui est de Battlefield 3, j'arrête Battlefield 3. Plus de vidéos. Hein. J'arrête. Il y en avait beaucoup qui aimaient mes vidéos sur Battlefield 3. Et des fois, quand je parlais, je disais. Je vous posais des questions et je vous avais demandé de me répondre. Attendez, faut que je capte ça parce que je crois que c'est une sorte d'énigme. Bon, je vais vous expliquer, vous avez pas besoin d'écouter. C'est con, hein, le principe. Hein. C'est. Je sais plus ce qu'il faut faire. Enregistrement temporaire. Attends. Entamé. Ah oui, c'est ça. Maintenant, merde. Active l'autre chronoplateforme et utilise ton enregistrement temporaire entamé. Le principe, c'est ça. Vous voyez le bordel? Faut se servir d'un autre. Je sais pas comment on appelle ça. Un clone, c'est sûr énorme ça. Et les gens ils aiment pas, mais moi je kiffe à mort. Je suis un mec compliqué dans ma tête, mais j'adore ça. Et vous allez voir comme c'est trop d'aval. J'enlève les cinématiques, hein, parce que les cinématiques dans ce genre sont assez chiantes. Voilà. Et là, va falloir faire par étapes. On se sert de lui pour aller là. Et vous avez pas vu, attention. Il suffit pas de réfléchir. Hop, réfléchir longtemps pour avoir compris ce qu'il faut faire. Et voilà. Et je peux vous avouer que ça va être de pire en pire et la dernière énigme est juste hardcore. Et ça, je kiffe. Et à chaque fois, je crois qu'on va passer un secteur, on va avoir à faire cette putain d'énigme que personne aime à part moi dans le monde. Et je crois qu'on peut réparer les trucs, non? Non, c'est moi qui rêve alors. Et je crois qu'il va y avoir une cinématique dans peu de temps, comme je connais le jeu, pas par cœur, mais certaines scènes, je m'en rappelle assez bien. C'est comme la carte Tour Ziba de Battlefield 3, que je dois connaître par cœur. Vous me mettez. 5 ans plus tard, vous me mettez cette carte, je la connais autant, aussi bien. Parce que ce matin, j'ai joué à BF, avec Infernox,
devais me dire un truc, voilà. Et j'avais... J'ai fait du 101-20, ce qui est quand même incroyable après ne plus avoir joué à ce jeu depuis 2 semaines. C'est vraiment pas mal quand même, faut le faire. Et purée, ce jeu là j'en peux plus, je vous assure, quand vous jouez 1000 heures sur ce jeu, vous en avez ras les couilles, c'est un truc de dingue. Bonjour XJ0461, et bienvenue dans ton subconscient. Je suis Orvus, et ça faisait maintenant bien longtemps que j'attendais impatiemment ton retour. Je ne comprends pas, je suis déjà venu ici. Tu ne croyais quand même pas que ton âme venait d'une usine de robots, dit. C'est moi qui t'ai créé. Oh, tu dois avoir des tonnes de questions. Mais avant, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est parti. Ok, je suis prêt. Vous avez compris le principe. On suit le bonhomme. Pas très compliqué. Et ce petit truc là qu'on a avec nous, que je vais appeler un spectre, là on voit, on est dans le subconscient, j'arrive pas à le dire, de Clank, et on a plein de moments clés de tous les Ratchet à partir de la PS3 et non PS2. Ou... Voilà, c'est à partir de la PS3. Ouais. Ok. Je vais sauter la parfaite là, c'est... Et ce Ratchet là vraiment mais tous les Ratchet d'avant depuis le début de la PS3, donc opération destruction et question booty, caisse for booty, c'est vraiment pas mal. Et ça c'est sur énorme. À partir de la moitié du jeu, t'as ce truc là et je peux dire que ça te permet de faire des trucs, c'est juste épique. Ça ralentit le temps et vous allez voir. Là, regardez bien. Ici, regardez. Quand je vais marcher, normalement, ça va vite. Et là, ça va aller doucement. Je sais pas si vous voyez. Bon, c'est... Regardez. Là, ça va vite, le truc. Il va assez vite, quand même, le truc est en... Et dès qu'on met la boule, ça permet de ralentir le temps. Ce qui est légèrement nécessaire dans cet opus. Et malheureusement, dans les nouveaux Ratchet qui sont sortis, le jeu est vraiment... Les nouveaux Ratchet sont vraiment merdiques, je trouve. Faut aussi tout réparer, c'est pas mal. Je veux qu'on peut réparer la... Comment on appelle ça? J'ai oublié. Le centre de l'univers. Mais c'est pas le centre de l'univers? Aussi, c'est le centre de l'univers. C'est ultra pratique. Vu que le centre de l'univers est un peu dans la merde. Et qu'on a une sorte de Nefarious qui veut à tout prix contrôler l'univers comme tous les... Comme dans tous les jeux. Hein. Et alors là, c'est un message que j'avais trop kiffé. Je sais pas si vous connaissez ce mec. Je connais plus son nom. Ça m'avait fait trop rire. Regardez bien. C'est juste épique. Voilà, j'espère que dans GTA 5, je vais autant me marrer dans ce jeu que... Autant que dans ce jeu. Parce que vraiment dans ce jeu, je me tape des barres, c'est un truc de dingue. Allez, c'est parti. Voilà. Ces trucs-là, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est... Attends, lui c'est Clank, le petit. Voilà. Je crois me rappeler, je crois que c'est des quarks. Et ces petites bestioles, faut les tuer, c'est trop... C'est trop, mais ça va dire... Ah, c'est trop mignon. Ah non, mais c'est vraiment trop épique, ce truc. En plus, regardez, là, on peut voir comme on peut ralentir le temps et quand on leur fout une raclée. C'est sur bien géré dans le jeu. On ralentit. Voilà, et les pièces aussi vont ralentir, logique. Et... C'est trop épique. Là tu vois, c'est une sorte de didacticiel quoi, pour dire vite, hein, c'est un didacticiel vite fait, bien fait. Je sais que tu vas pouvoir t'occuper de cet endroit, mais où seras-tu? C'est ton dispositif. La grande horloge et tout ce qui s'y trouve, je te les laisse, protège-les, réalise ton destin. XJ0461, programme terminé.
vous avoir à bord. Sigmund, qu'est-ce qui est arrivé au vrai Orvus? Ok. Donc là, on va pouvoir prendre le pouvoir ultime de Clank. Qui est juste, pour moi, juste sur-épique. C'est un des trucs les mieux au monde. Enfin, sur ce jeu, c'est... C'est vraiment pas mal. Ah, là, je crois qu'on va voir... Ah, je dis rien. Non, je croyais que c'était maintenant, mais non, je dirais rien. Non. Ouais, je crois qu'il y a 5-6 secteurs. Donc le jeu est assez long, ça va. Si tu fais toutes les quêtes annexes, ainsi que le scénario en lui-même, bah, je peux te dire que t'en as pour une bonne vingtaine d'heures. Je crois que, d'après toutes les informations que j'ai reçues de GTA 5, où je vais prépayer le jeu demain. Lundi, oui, demain, oui, c'est la même chose. Oh, troisième énigme. Yes, yes, I love this. Ah, j'adore. Faites-moi encore plus. Je love. J'adore. Oh, mais c'est facile. Ah oui, un truc. Tuez d'abord les bestioles. Petit conseil d'ami. Et voilà. Est-ce que je vais être plus rapide que moi? Ça fait un peu con, tu sais. Je vais être plus rapide que moi ou quoi? Regarde, il va se battre contre rien, lui, tu sais. Ah, c'est trop épique. Hop. Et voilà. Si c'est pas mal, quand même. Et vous inquiétez pas, les énigmes vont se compliquer. Surtout celles que je pense. Putain. Ah oui, celle-là, bon, ça va. Hein. En 2-2, c'est fait. Et attends, je crois que le petit bonhomme a énormément de choses sur lui et... Quand on regarde, c'est bien modélisé quand même pour un jeu. Moi, je trouve ça pas mal. Voilà, vous comprenez le principe. Sur facile. En 2-2, c'est fait. Ah non, je suis con. Ah, fait chier, je suis con. Ah, il fallait y penser à ça. Voilà. C'est le truc où tu te fais toujours baiser au moins une fois. C'est... Voilà. Je pense que vous avez capté ce que je veux dire. Ce qui veut dire que tu vois, c'est pas si facile comme ça. Hein. On fait exprès. Voilà. Je crois que... Oh, il y a encore une énigme. Mais là, c'est la journée, là, c'est parfait. Après, si on pouvait trouver des défauts sur Hatchet, enfin sur ce jeu en lui-même, je pense que les énigmes sont peut-être un peu lassantes à la fin pour ceux qui aiment pas réellement. Mais il faut quand même que chacun. Il faut quand même que ça plaise à tout le monde. Donc. Ah Pogdas. Donc, putain, les secondes que je perds, ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas du tout. Pourquoi je suis là? À quoi ça sert? Fuck. Ah merde. Ah bon, attends, je recommence. Je le refais. Ok, j'ai compris ce que ça veut dire. Ok. Allez, putain! Il va me laisser à peine une seconde, tu sais. Je me laisse. Merde. Ça va pas le faire. Putain. Petite coupure, hein. Non, je déconne. Non, allez, attends. Alors. Ok. Si vous demandez pourquoi. Oh! What the fuck? What the fucking fuck? Ouais, non, mais sérieusement, regardez le trajet que j'ai fait. La 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 la! Ok. Alors, ta ta ta. Ta 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 ta. Voilà. C'était pas compliqué comme le port salut. C'est toi de matin. Voilà. Et moi je me suis compliqué la tête. Oh, oh les saloperies. Oh là 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 là, c'est des murs. Ah ils ont... Oh c'est pas grave. Attendez, je vais gérer. Oui. Une énigme qui paraît simple.
Purée. Voilà, alors là, c'est la partie la plus comique du monde. Ah! Ah, c'est trop bad. C'est trop badass ce jeu. Alors. Vous voyez ce que ça fait? C'est vraiment mal. Et si j'utilise à un moment un petit truc là, les petites boules, au mauvais moment, bah ça détruit la sienne. Donc. C'est un peu con. Et voilà! Donc ça, ça permet quand même de rajouter un petit peu plus de fun dans ce jeu, moi je trouve. Hein. C'est mon point de vue. Peut-être que j'ai tort, mais moi je m'en fous. Si j'ai peut-être le temps, je vous réserve une petite surprise. Surprise. Ouais, si j'ai le temps et qu'on me laisse le temps, je vais faire une deuxième vidéo que je vais poster avant GTA 5. Une vidéo que tout le monde a apprécié, ça j'en suis sûr et certain. Donc c'est le jeu culte d'une série culte. Que tout le monde, enfin tout le monde, la plupart du temps, les gens aiment. Je vais bien sûr parler de, je ne vous dirai pas. Je crois qu'il faut lui casser la gueule. Non? Ok, bon. Je comprends jamais rien, je... Voilà, il faut lui péter la gueule. Allez! Faut lui une tarte, bordel! Hop là, petite tarte dans la gueule. Ouh! Ah, c'est trop épique, là. Ouh! Sautille, sautille, sautille! Bon, la gestion de dégâts, bon, ça va, c'est pas mauvais. Ah, ok, faut lui foutre un bon coup. Hop là. Hop là. Hop, ah, y a aussi les. Tout faut tout gérer, hein. C'est vraiment pas mal. Bon, j'ai encore 4 chances. Allez, saute plus haut, Damien. Coup final, coup critique. Oh, le mec il veut pas crever, tu sais, hein, c'est Chuck Norris. Ah là là. Et voilà, commence marrer sur un jeu pareil. Encore une fois, la nuit des bouseux, acte 3, scène 4. Tout le monde est prêt? Je n'aurais jamais dû arrêter mes études de dentiste. Et action! Tu ne m'attraperas jamais vivant, Quark! J'ai le contrôle absolu du temps! Oh, est-ce que je vous dérange? Lawrence, je suis en train de répéter pour mon opéra de l'espace comique romantique et épique. Quel imbécile je fais. J'ai jugé prudent de vous informer que Clank est en route pour la chambre d'Orvus. Monsieur. Formidable. Le moment que nous attendions tant approche enfin. Bon, si vous n'avez rien d'autre à ajouter. Eh bien, il y a autre chose, monsieur. L'incapacité d'aimer Janice, alors que j'étais enfant, une tribu de ninjas m'a jeté un. Je sais, Lance, je faisais partie de cette tribu de ninjas. Ils ne doivent surtout pas s'immiscer dans nos plans. Je vous ordonne de les retrouver et de les annihiler. Parfait, monsieur. En attendant, puis-je vous suggérer d'activer la sécurité de manière à ne pas tuer d'autres soldats? Elle n'est même pas chargée, crétin! Regardez! Suivant! Ce jeu fait plaisir parce que quand on y pense, ce jeu est sorti en septembre, enfin je crois, si je pense en septembre c'est
en hiver. Et en hiver, il fait toujours pour beaucoup de bordel. Et ça fait sur plaisir de voir un jeu pareil qui est aussi beau. Aussi beau, avec plein de couleurs, parce que le truc qui me fait chier dans Call of Duty Ghost, c'est que le jeu il sort pratiquement en hiver, ou en automne quoi, et le jeu est moche, n'a pas de couleurs. Et c'est une sorte de Black Ops 2, un remake. Et c'est vraiment merdique. Black Ops 2 avait de la couleur un petit peu, c'était pas mal. Mais Ghost, putain, les mecs c'était vrai fou. Ils veulent faire un carton avec Ghost, mais ils vont se faire défoncer. BF4, bon, il y a de la couleur, mais pas assez. C'est pour ça que GTA 5 va faire un bon carnage. Et ah, je me rappelle de cette map. Enfin, de cette planète. Je me rappelle qu'elle est sur belle. Parce que quand même, il y a de la couleur, même si là, bon, c'est un peu chaotique, mais... Mais bon, c'est beau. Je crois qu'on va faire la planète entièrement et on va se laisser hein, comme d'habitude. Hein. Parce que j'essaie de réduire la vidéo parce que je me suis rendu compte que faire une vidéo longue est chiant pour les deux. Hein, pour vous comme moi. Comme moi. J'avoue qu'il bug, tu sais. Ah merde, c'est quoi ça? Alors. Ok. Ah ok, mais si il fallait que je saute pour que ça saute. Ok, je vais parler au villageois là. Enfin le villageois. Je cherche le col de Volgram. Oh, monsieur. Ah oui c'est ça, il fallait qu'il cherche un col et il va trouver quelqu'un qui va l'aider à je sais pas quoi. Je crois que c'est une personne qui lui ressemble. Je crois que c'est un lombax ou un truc dans le genre. Quel est cet endroit? Putain, j'ai mis. Non, c'est trop épique. Docteur Nefayus. Alors là, vous allez voir qui c'est. Okay, bon, je sais pas qui c'est. Flor Solon, c'est l'autre con. Hein. J'ai pas vraiment envie de parler de lui. Il est pas gentil. Et on saute comment? Ah, ok. Faut juste appuyer sur quoi. Yo les potos, ça va? Allez, c'est parti, on y va. On joue. Allez, ah, culé. Là, il m'enlève ta case de vie en plus. C'est pas comme si j'avais mis le jeu en mode difficile. Que dalle. Que dalle, j'ai pas mis en mode difficile ce jeu là. Si, la famille. Ouais, c'est plus fou. Ouais, c'est un tac à 0 points. Ah! Ouh, lui! The boss! Ouh! Allez! Ah, purée, c'est vraiment épique! Allez, en mode dur, enfin difficile plutôt, les mecs sont vraiment durs à tuer. C'est quoi ça? Je cherche le col de Volgram. La patte graphique est monstre. Il se trouve au-delà de cette cavité, mais il est interdit aux étrangers d'y pénétrer. Ils doivent l'atteindre par eux-mêmes. Et j'en parle pas du scénario parce que le scénario il est encore mieux que moi. Bon hein, je vais pas détailler les paroles hein, vous connaissez, vous comprenez, vous réagissez, et voilà.
Et on doit sauver... Non, on doit pas sauver. Pas sur cette planète, je crois qu'on doit sauver quelqu'un. Et je crois que là, ça va vraiment, réellement devenir intéressant. Ah oui, putain, ok, faut faire des trucs. Je crois que là, ça va bientôt... Ça va bientôt devenir, à partir du 4ème épisode, intéressant. Je crois. Putain, il me laisse à peine le temps. Ça va réellement devenir intéressant après. Ne vous inquiétez pas. Le début est assez explicatif, hein, normal. Hein. Pour tout. Hein. Que ce soit jeu vidéo, film, bande dessinée ou n'importe quoi, c'est toujours descriptif au démarrage. Ou sinon, on passe tout de suite dans l'action. Ça, bon, ça c'est le bon film du genre Die Hard 5. Oh putain, c'est quoi ça? Oh, ce jeu. Et il manque pas d'imagination. Oh putain, déjà 31 minutes. Ça va être chiant à upload, vous pouvez pas savoir. Vous dites peut-être que c'est plus facile à upload une vidéo qui est plus courte, même si elle est super longue au démarrage. Non, c'est deux fois plus pire. Et oui, malgré tout, c'est pire. Ouais. On va faire du hoverbound ou je sais pas trop quoi. Je crois qu'on va avoir nos petits trucs pour voler. Je crois qu'on va réellement rentrer dans le bis. Merde, dans le sujet là. Je crois vraiment que ça va partir. Ah, eux, je sais pas trop ce que c'est, mais ils sont marrants. C'est trop épique. Ok. Donc, je vous présente la ville. Voilà. Et les villageois avec leur truc. Nous sommes dans la cavité. Et je peux vous dire que c'est magnifique. C'est bien. Ça, c'est pas trop moche. Ah, petit enfoiré, je vais t'attraper. Casse-toi de là, toi. Allez, c'est un. Deux. Oh putain. Ouh, vous dépêchez. Non, je crois que ça a explosé. Ok. Il y en a trois comme ça. C'est parti. Mission étendue. Oh. Qu'est-ce que je vous disais que ça allait faire ça? Je parie que si je me mets au milieu, je meurs direct. Je pars pas de vie, je meurs direct. Attends, je vais prendre une bonne arme au cas où. Où ça emmène ça? Oh, regardez comme c'est pas... Bon, ça va, c'est pas moche. Un constructeur. Oh, il est trop beau. Ouh, il est encore plus beau. il est pas plus beau. J'ai quand même... Non mais j'aime pas trop le rouge. Pas trop ma couleur. Oula, oula, oula. Ça tu vois, c'est le genre de truc que je me casse la gueule. Bien casse-gueule, comme on aime. Tu parais combien que ça va? Eh, j'en étais sûr. Fais exprès pour que ça te complique la vie, Bilia. Après tout, je me demande où est le troisième, parce que je crois que j'ai tout visité. Bon, ok. On y va doucement. Ouf. Ne regarde pas en bas, ne regarde pas en bas. Je pense qu'on devrait aller vers là. Ah, c'est surcher. Je racheterai. Soit en offline, j'achèterai des armes. C'est pas très amusant, mais je verrai comment que ça va, comment que je vais le faire. Quoi? Attends deux secondes, je reviens.
Bien, petit garçon. Oh, c'est énorme. Yes. Donc, on finit ça et je vous laisse sur cette vidéo qui aura été un petit peu longue. Hein, 1h35. Non, elle aura duré 35 minutes, c'est pas mal. Pour continuer sur le sous, épisode 3. Toujours content, tranquille, même si... je... Comment que je fais, sérieusement? Ok. Non mais sérieusement, comment je fais? Bon bah je me brûle. Ok. Bon je veux bien me brûler mais bon. Oh non tu me dis pas, faut que je repasse tout. Ah mais non, fallait faire comme ça, fallait se suicider. Ok, normal. Tout à fait normal. Allez, ça va le faire. Ouf. Oh le malaise. Ok. Donc voilà, là c'est bon. Je pense. Ok. On va se laisser à côté d'une cinématique puisque je crois qu'on va trouver notre ami. Je sais qui c'est en plus. Je ne vous dis rien. Ouh. Oh là là, je vis comme une merde. Yeah. Number. Viens ici, Stadé. Couille. Allez. Ah, oh, purée. Oh. Non. Je veux pas mourir. On va se laisser ici. Regardez comme c'est magnifique. Pour les massacres. Je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez lâcher un com. Me dire comment a été votre entrée. Si elle a été pitoyable ou agréable. Au moins elle a été suragréable, j'ai passé un sur bon moment lors de la rentrée et des sur bons moments et les profs sont beaucoup plus agréables, je peux vous dire, pour ceux qui ne sont pas encore à la seconde ou qui sont pas encore au lycée, c'est sur bien le lycée. À part que les devoirs sont beaucoup plus compliqués, ça je pense que vous l'avez remarqué. Tchuss les gens, profitez bien de la vie, vous connaissez le topo, vous pouvez lâcher un com, un like, partager. Vous abonner, parlez de moi, ça serait très sympathique. Parce que quand même, c'est très dur, hein. Je pense que vous le savez. Tchuss.